Moi je m'appelle Antoine, ouais, français et polonais. Mais nous on vient du 95 là, on a fait le déplacement quand même. De quelle origine toi? Guinée-Conakry. De France? Oui. Vous venez d'où? Paris 20ème. Du 20ème? Ouais, voilà. Du 20ème. Ouais, bien sûr. Moi t'as vu l'équipe de France, de manière générale t'as vu j'aime bien tu vois, après c'est histoire d'être avec tout le monde, de faire la fête, tout ça. Ouais j'aimerais bien que la France elle gagne, c'est sûr. Ouais c'est sûr, pareil, vietnamien français, ouais. Bon on joue pas la coupe du monde mais à fond derrière la France, ça bouge pas. Oui moi je suis italienne. T'es italienne? Oui. T'es franco-italienne? Oui. Tu supportes l'équipe de France? Oui bien sûr. Oui. Est-ce que vous vous sentez français? Bah oui mais je me sens aussi marocaine et algérienne, mes pays d'origine. Moi je suis français, moi français, je suis antillais un peu, donc je suis français donc normal. Bien sûr, t'es derrière l'équipe de France? Toujours. Tout le monde, je suis derrière tout le monde. Oui, ivoirienne. Ivoirienne? Ouais. Et vous supportez l'équipe de France? Oui. D'accord. Et Allez les bleus! Mais non, mais c'est bien, faut soutenir son équipe quand même. Même si tu l'aimes pas, c'est sympa, même les ambiances, elles sont sympas. Faut être avec tout le monde, faut... La mixité sociale, elle est sympa en plus. Dans les fanzones, tout le monde est mélangé et c'est bien. C'est un plaisir de venir supporter les Bleus. Parce que j'aime la France et je vais supporter les Bleus. Et je leur souhaite bonne chance aussi. J'espère que ça va aller. Ouais, ils vont gagner. Ouais, Inch'Allah. Il n'y a pas de jamais les bleus. Regarde autour de toi, tout le monde est français, la majorité, tout le monde est pour la France. C'est exactement, exactement. Non, après, je trouve qu'il ne faut pas condamner aussi les personnes qui aiment pas l'équipe de France ou ceci, cela. C'est peut-être pour des raisons hors politique, juste des raisons sportives. Franchement, il y en a à cause de toutes les polémiques. Hein. Mais moi, je pense que quand même, la plupart des gens, si ça va en finale, ils vont être derrière la France, c'est sûr. Bah oui, bah moi personnellement j'ai la double nationalité, je suis italienne-française et pourtant bah finale il y aura Italie-France, je serai pour la France et je trouve que malgré les différences d'origine qu'on peut avoir, oui c'est la France qui la remporte. Hein. Avec Raphaël Varane dans les pieds de Lucas Hernandez. Ah bah c'est faux là, tout le monde est rassemblé, vous pouvez jeter un œil là, tout le monde est rassemblé, on est unis pour la même couleur, le même drapeau et voilà, on est fiers d'être français et voilà quoi. C'est une rumeur parce que quand on voit dans les rues, même ici, on voit la fan zone, on est venu vendredi dernier, avec quand même pas mal de monde, là il y a encore pas mal de monde, c'est une des sunfall zones de l'Île-de-France. Ouais, moi c'est la France. On part du principe où on est né en France et on est des Français, donc là c'est notre équipe. On connaît pas nos pays, nos origines, on les connaît par rapport à nos parents, mais pour moi en tout cas je suis française. Vous êtes de quelle origine à la base? Moi je suis centrafricaine. Quoi qu'il arrive, t'es en France, tu dois supporter la France. Pour moi aussi, t'es en France, t'es né en France, tu... Pour moi, tout se passe en France, donc tu es obligé de les supporter d'un côté. Ouais, de toutes les origines, de tous les... Enfin, tout, il n'y a pas de religion, tout le monde est là, on soutient juste la France et on est là pour voir le match, quoi. Ici, tout le monde a une origine étrangère. Je pense qu'on est 7 là, tout le monde a une origine étrangère, tout le monde est pour les Bleus, voilà. Mon papa, il est algérien, son papa, il est algérien, algérien, tunisien. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde. Après, oui, en France, il y a plusieurs origines. Il y a les Portugais, il y a un peu tout le monde. Mais la France, c'est pas mal soutenu, je pense. Le Maroc. Je vais supporter d'abord le Maroc et après la France. Là, je supportais le Maroc, ils ont été éliminés, donc je supporte la France. Ben moi, franchement, je pense que les jeunes de quartier, en général, ils supportent la France parce que après, moi, j'ai du quartier un petit peu. Donc, on est vraiment pour la France, que ce soit même à travers les origines, n'importe lesquelles, même si on a des doubles nationalités ou pas, on supporte quoi qu'il arrive la France. Oh, ben c'est des conneries. Ça peut être des gens de cité, des gens de quartier, des gens en zone pavillonnaire. Enfin, tout le monde supporte l'équipe de France et on est tous là pour la même raison, quoi. Il y a beaucoup de blacks, beaucoup d'arabes, donc oui, moi je suis pour l'équipe de France. France. Oui voilà, c'est ma France, France voilà. Exactement. Et on va gagner. Nous on l'invite, Marine Le Pen, elle a qu'à venir ici, tout le monde va chanter pour les Bleus, c'est tout. Nous, on ne fait pas de différence entre d'origine algérienne ou de nationalité algérienne et française. Ça veut dire que nous, on a surpassé les origines et la nationalité. Il faut que l'extrême droite, elle y arrive aussi. Après, moi personnellement, t'as vu, je l'aime bien cette équipe de France, ça me plaît. J'aime bien regarder, ça me fait plaisir, je crie quand il y a un but. Ouais, voilà, je viens de loin en plus, donc ça me fait plaisir d'être là. La Tunisie et la France en finale, on va dire, de la Coupe du Monde. Je supporte les deux. Comme il disait, on est tous là, il y a tout le monde, donc pour moi, il est false, mais c'est pas vrai. On est tous là pour supporter, et après, même si on se montre pas forcément, on est quand même là. Qu'on soit chez nous ou ici, dans tous les cas, tout le monde supporte. On est tous devant notre télé en train de regarder le match, à être là pour la France, et puis voilà. Aurait gagné cette Coupe du Monde parce que c'est un événement que jamais un pays africain l'a fait. Même en qualifiant en demi-finale, alors qu'une demi-finale en France, elle en a joué plein des demi-finales, la France. Donc je pense que
Même les Français peuvent comprendre que les Tunisiens veulent faire un mouvement de solidarité et d'émotion que peut offrir une demi-finale, tout simplement. Non, je pense que en fait, le foot, ça doit rassembler. Je pense que ça rassemble. Peu importe l'origine, je crois. De ce que je vois, on oublie tous qu'on a une seconde nationalité, enfin, des origines. On est tous français. Franchement, ça, je le vois. Quand il y a eu le but, là, je me suis attrapé avec un mec. Je savais même pas. je le connaissais même pas. Et franchement, c'est ça qui est beau. En plus là aujourd'hui on tourne notre clip spécialement et à la victoire, tout est parfait. On est fiers de notre multiculturel, de notre multiculture. Sénégal, Cameroun et France. Aujourd'hui je suis les trois. Et de la présence de Raphaël Varane encore une fois. Magnifique match, magnifique sincèrement, excellente défense, vraiment. Allez les Bleus, on va le faire.